Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que ça perturbe tout le monde. Et son chemise, j'ai... Ouais, non, mais on voit l'effort, hein. Nazim. Merci, c'est pas grave. Allez, il va falloir qu'on essaye de se, concentrer pendant 2 minutes. Où on travaille que sur cette démonstration, sinon on va pas y arriver. Je vous dis. Donc, est-ce que c'est bon pour l'instant? C'est pas pour toi, Lisa. C'est qu'à chaque fois, il y a soit une autre question et on s'en sort pas. Non, c'est juste que moi, je vois la vidéo de Nassim. Tu me fais rire, je suis désolée. Pas qu'il s'approche trop près de l'écran. Hein. Madame. Oui. Il y a un petit problème. Hein. Il y a, je sais pas, quel Nassim là, demande lui. Oh là là, c'est un problème. Hein. Ouais, je mec, oh. Excusez-moi, vous êtes qui? Attends. Monsieur, vous êtes qui? Oui. Bon, bonjour madame, excusez-moi. Oui. Vous devez être dans quelqu'un parce que. Excusez-moi, parce que la caméra elle s'active seule. Attendez. The loans? No, yet the result, but because you have this initial position, you have to credit this amount to have a net. Yeah. Okay, yeah. Okay, yeah. No, it was done with my. Okay, I understood. If you see yourself in the mirror, it's better to close the video, you know, Nassim. Nassim, your camera. Okay, hey, you are so clean, hey. You're so clean, Nassim, very good. It's better you close, yes, yeah. C'est égal à zéro, c'est gagné. Madame? Oui. Je suis un peu confus. Quand vous dites à la fin qu'il faut que le n de x soit égal à 0, si n'est pas égal à un 0, par exemple à une autre valeur quelconque. Alors, ici, on aura montré que l'espérance du carré de y moins f de x au carré est supérieure à cette première espérance. Ah d'accord, ok, ça marche, je comprends mieux à peu près. Et est-ce que le QCM, Nassim, il y a des questions? T'as un problème avec ton micro, Nassim, non? De quoi? T'as un problème avec ton micro, Nassim, non? On m'entend pas? Attendez une seconde. Si, maintenant je t'entends bien. Alors vas-y, tu me disais quoi? Non, si avec le QCM, en fait, on allait avoir des questions qui allaient être de ce genre-là ou non? C'est horrible. Alors, attends. On va avoir des questions. Chaque riff, en fait, soit bien ensemble et ne bouge pas. Voilà, donc là, on le revoit sur l'autre partie du baffle. Voilà, côte à côte sur le même haut-parleur. Une fois que c'est fait, une fois que c'est placé, vous avez déterminé en fait quel haut-parleur était le plus approprié. En fait, ils sont passés par elle. Par contre, j'ai une petite remarque. Si Nazim, tu nous entends, si tu peux couper ta caméra, ce serait sympa. Parce que je pense que c'est cool hein, d'avoir ce d'avoir ce retour visuel. Mais je sais pas ce qui se passe, mais je pense que ça perturbe tout le monde. Son chemise, j'ai... Ouais, c'est... non, mais on voit l'effort. Hein. C'est l'obtention de pouvoir qui est née. On va pas se mentir, la technique du scorpion n'est pas la plus évidente. À chaque fois que vous commencez, que ce soit la première, deuxième ou troisième séance, il a toujours une certaine importance de fluidifier, dans ses bras notamment, toutes les nerfs que vous avez. Qu'est-ce qui se passe là? Comme vous avez démontré dans le schéma ci-dessus. Attendez. Allô? Ah, c'est pas... Oui. Vous êtes rentré en ligne avec moi? Je n'ai pas encore commencé à tourner, à filmer mon clip. C'est comme dans un rêve, tout est super fluide. En fait. Et donc, du coup, c'est tout le job de ensuite faire son découpage. Quoi. Oui, Nassim, vas-y, tu as à dire quelque chose? Oui, monsieur, quand vous étiez en train de parler de clip, enfin avec. Ouais. Moi, j'ai souvent tendance à assimiler les clips en fait à des. Ah mince. Est-ce que Nassim est tombé? C'est moi ou il est tombé par terre? Ok.
Bon. Ok. C'est un. Même chose, c'est toujours pareil. Assis-toi. Vous prenez conscience que vous êtes assis sur une chaise ou vous êtes allongé sur un lit. Prenez conscience de votre cuisse droite. Et quand je vais frapper dans les mains, je vais vous dire un mot. Vous allez noter tous les mots qui sont associés à ce mot-là. On y va, je vais claquer dans mes mains. Et je vous dis le mot futur. Eugénie. Moi, j'ai mis évolution technologique. Ok. C'est très positif, votre vision du futur. Moi, je... Hess. Entendu. Hess, c'est la situation, en fait, où l'on a pas mal de difficultés financières, en fait. Et c'est une expression, en fait, que les gens, ils utilisent pas mal. Et moi, quand les je jeunes, vois... certainement, mais oui. Ouais. Ok. Les Italiens, quand il fait très froid comme ça, ils disent fa un freddo boia. Freddo boia. Putain de froid. Alors. Ah, c'est qui là? Ah, d'accord. Je vais aller interroger des individus pour savoir ce qu'ils pensent du concept. C'est que je sais en fait qu'avec la musique, on fait ça souvent. Quand un artiste il veut vendre un album ou quoi, bah, il fait ça en général. Vous chantez, Nassim? Un petit peu, ouais. Mais c'est, et c'est plus du chant, en fait, que du rap, moi, que je fais. Ah! Oui, c'est ça. Bah, Emo, est-ce que vous voudriez entendre un peu Nassim? Ah ouais! Oui. Ouais! Chantez! Dans la bienveillance. Dans la bienveillance. D'accord? D'accord. Allez. Pour moi... La vie ne consiste pas qu'à prendre sur soi, malgré les épreuves que l'on nous donne. Ne nous posons pas trop de questions. C'est beau vos paroles. Vous continuez. Merci. Non, elles sont jolies vos paroles. Elles sont pleines de sens. Merci, madame. Gardons la tête haute. Car rappelons-nous que les bons souvenirs avec mon ex, on a les bons moments sont les seuls moments dont on doit se rappeler. Merci Nassim, merci. Bravo pour votre Nassim, pour votre sincérité, votre grand cœur. Vous avez un très grand cœur, Nassim. Is that okay? Do you have question about that? Sir? Oh, punaise! Oh, Nassim! Hey! I have a question, sir. Yes. Yeah? Yes. If we say that the pet insurance is... Yes, I'm listening. You know, excuse me, you know, it's a challenge to do a course online exam, but I like that.